Bonsoir mes amis, ça m'aille. Donc nous avons encore le journal de l'opposition. L'Ouattan, alors, un article. Le 6e congrès du RCD s'est ouvert hier. Vendredi, hier, vendredi, Lyon samedi. Là, journal à Lyon, là. En grosses lettres. L'opposition réclame l'ouverture du champ politique. Je connais l'opposition. Et bien, le RCD. Je connais pas. Ils ont invité je connais. Quel tabou. Djayada. Un parti qui ne reconnaît pas l'État algérien. Où il reconnaît le dialogue avec l'État algérien. Où il a boycotté les élections. Gare, sans réfléchir, sans rien, alors, ni, ou l'ina, le wakt, Allah yarhamou, ta la FFS, ni. Aujourd'hui, puisque là, ils sont obligés, la loi les oblige, il y a un les statutaires, où ils ont décidé donc de se débarrasser de Mohsen Ben Abbas, un type qui va aller en prison. Pour avoir enfreint les lois de la République, on l'appelle comme l'affaire Taout al-Marroki, l'immense fidèle, le Khadim Marroki, de façon illégale, sans l'avoir signalé à la police. Ou à Mandouche quoi, un clandestin. Mettre sous l'effet de la drogue, fidèle. Donc, comme Michel au fait, normalement, on cher à l'Oflax. Mais, donc, le RCD a décidé de dire congrès Taout. Où il y a d'un coup l'opposition réclame l'ouverture du champ politique. Moi je dis, moi je n'ai rien plus que ça. Voilà. Vous avez pu faire un congrès de comme de Zéralda dans un truc étatique. Donc, un truc où il y a un congrès de vous avez réuni les gens, tant que l'autorisation de la wilaya, le plus normalement possible. Où l'État algérien a fermé le champ politique. Oui. Oui. C'est vous qui avez fermé le champ politique par votre refus de dialoguer avec le pouvoir que vous reconnaissez. Gourde. Yéhi Gourde. Mohsen Ben Abbas Gueye. Berlin. Le président Tebboune est illégitime. Alors qu'il a été élu par 6,5 millions d'Algériens. Hadou Ma'amar Rouge Aïnou Hada. Hada. Mohsen Ben Abbas, ma amrulouch, 6 millions de Jazaïriens, au nos, ma amrulouch, aïe. Donc, dans une sorte de cinéma, dans un théâtre, Djebou Nes, où je connais Djebou Kerim Tabou, alors que, normalement, Kerim Tabou n'a pas le droit de parler politique, puisqu'il a été condamné, il a été mis en prison, pour des Omazel Sharatel, Omazel, il est en liberté provisoire. Oui, dit, oui, donne des leçons de démocratie aux gens. Alors qu'il a été condamné, Omazel, l'État, il est conciliant à un Angolais. Je ne sais pas, l'État ou la justice. Mais ils sont conciliants à Adakir l'État. Puisque ce qu'il a dit, ce qu'il a insulté, ce qu'il a voulu faire dans ce pays, au moment où il a bombé l'Irak, il dit « roi sur le héros ». Il était entouré par des gens, des l'écharpe à l'Algérie, 31, Zaman Habib l'a dit, où il m'a dit « Frenesse », où il tenait des propos très graves et répréhensibles par la loi. Mais, l'Algérie m'a dit. Nahar, il a dit que Gaïtzal, il était au service des Émiratis. C'était Hnaya, où il fallait le mettre en prison pour plusieurs années. Le chef d'état-major en poste, il l'a traité de traître. Autant que le commandant de l'Ouel.
de les jeter à la justice, qui va se traiter le mandat de dépôt, quelques jours après, un juge Khadjou. Heureusement que les services de sécurité hiver ont fait le djembo, ont fait le djembo. Mais c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors le RCDR, c'est un parti de bourgeois, dans lequel tu fais les gueules d'âme, de te faire. On va Karim, c'est des intellects. Gars Karim. Ils ne sont pas faits pour la politique. Je ne sais pas. Karim, on dirait pas Karim. L'Algérie, elle est une et indivisible. Non pas par les lois. Non pas par son armée. Par son peuple. Quel chien. Mais tu rappelles les théories. T'as la RCD, la culture, parti basé sur la culture. Donc, le RCD est un parti qui a refusé toute participation aux élections et le président Tebboune. Ah, heureusement, compris, parce que il était trop conciliant le président Tebboune. Mais, il a attaqué au fil direct. Il y a attaqué le Jazir, il faut négocier avec tout le monde. Maintenant, le président il a fait la décision de consultation avec les partis. Il l'a fait avec les partis, les partis qui agissent dans le cadre de la démocratie. Ce sont des. L'État ne gagne pas le chèvre, l'État ne gagne pas le chèvre. Quand on fait de l'opposition, c'est-à-dire d'une opposition constructive, dénigrée, la communauté a dit qu'on a dit qu'ils ont fait bouger quelque chose. C'est l'État qui est en train de faire bouger les choses. L'État, vous voyez, il dit toutes les réformes pour faire avancer la vie. Grâce à tout le monde. Oh, le Charles Jazair. Charles Jazair, il est solidaire de tout le monde. Il est très solidaire. Ce n'est pas un parti qui m'a dit, ou le Ta'assoul, ou le Ta'l-Zahnou, qui va entraver la marche de tout le monde. On a fait une vidéo en 5 mois. Je l'ai intitulée Tebboune, le président Tebboune fait pleurer certains partis politiques. Ça, de cœur, Tebboune. Et Tebboune avance. Ou la preuve, dans les élections présidentielles, on va dans les consultations à l'Institut, on va dans les élections à l'Assemblée, on va dans les élections à les APUI et les APC, ou dans les élections à les sénatoriales. Moi, je parle avec les partis, de quoi on a besoin de ces partis? La FM. Tebboune avance. Il a une équipe. Ou il a des objectifs. Ou il a des objectifs. Il a des objectifs avec ses alias et ses problèmes. Qu'est-ce qu'il a besoin de personnes qui sont là pour leurs petites personnes? Il a besoin de gens qui sont là pour leurs zouama. Mais il y a des gens qui sont là. Chouffou, un président qui nous a montré un chemin. Le président Tadouz Aïssé. Chouffou, comment le président Djad, Miskin Abou Yadro, où il a pris des décisions. Il a gelé le Parlement. Habes les partis politiques. Habes le Conseil constitutionnel. Habes, oh, il vient de limoger. 57 juges, bloquons la justice. Allez, out. C'est ce que devrait faire le président. Le président a l'adhésion du peuple. Ou le chat, au fait, ben les partis. Goulou, moi je défie trois partis.
Louis Arnoux, Asso, ou le LCD de faire un meeting, quelque part dans l'étranger. Quelque part en Algérie, je dis, hein, c'est-à-dire dans 6 ou 7 wilayas de l'Algérie, il dit au moins, Ismaël. Ils ont fait la politique de la chaise vide, ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour tenir l'image de l'Algérie, dans le pouvoir algérien, Bardoche. Chabil a participé à toutes les élections, il a parlé à tous les scrutins. Bardoche, Gadim Yimbrou, rien. Donc, l'opposition réclame l'ouverture du champ politique. Il y a des ouvertures qui ont des limites. Donc, je n'ai pas le chien. On va te gâter à chacun qu'on a le coup. Ils veulent maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ils ont changé de cas de part. La tactique d'armes, c'est quoi? C'est liquider Mohsen Ben Abbas parce qu'il est rejeté par le pouvoir. Non pas parce qu'il est opposant. Non. Il est rejeté parce qu'il a fait comme un comportement de voyou. La police convoquée en Hamshara. Alors on dit, je suis député. Convoqué à l'Assemblée populaire, je dis, il se met, la commission de l'immunité parlementaire, Alam Mandij. L'immunité parlementaire, la justice l'a convoqué. En tout cas, tout le temps, il va être jugé et j'espère que la justice va le foutre en prison. Comme tout Algérien. Selon le dossier, Adam Akar. Selon le dossier, Théo, il doit être mis en prison. Comment il dit un chef de parti, selon les Achava, un chef de parti, il va dire un clandestin marocain, n'a ni la carte de résidence, ni l'autorisation d'être sur le territoire algérien. Il dit le d'Arlou pour ce que le plâtre. Il dit la sculpture des plafonds d'or. Oui, évidemment, en contradiction avec la loi sur l'hébergement des étrangers. N'importe quel étranger. Même Jazaïr. Djib Wicht Mandek, ou il bête les dards, tu dois le signaler à la police. Signer le chef, subhanallah adim. Il y a des avis de recherche. Qui dit que tu as la pièce d'identité de terre? Ou tu dis que tu as la pièce d'identité de terre? Ou tu as dit, voilà. Il chauffe au s'il n'est pas recherché, s'il est clean par rapport aux lois algériennes, il dit, ouais. Ça n'est pas un chouchou. Mais si Mohsen Ben Abbas, comme il a défié l'État algérien, non, il m'a fait ça dans la loi. Alors, non. Algérien, il y a un état de l'État algérien. Nous dites, nous sommes dans un pays où il me cache les lois. Et bien, tu es le pays où il me cache les lois, tu es poursuivi. Au traitement d'un juge, il y a Tessa, juge d'instruction, tu as ISND, d'être sous truc judiciaire, sous contrôle judiciaire. C'est déjà un acquis. Il doit pointer deux fois par semaine. Oura, avec des avocats de Terraham. Là, il a fait appel de cette décision dans la décision de justice. On a hâte d'une vidéo. Attention, le parquet, il contredit le juge d'instruction. Parce que normalement, le juge d'instruction, il dit le mandat dépôt. Mandat dépôt. Il avait des pouvoirs de le faire. Et comme c'est un truc de parti, un parti politique, parti d'Al-Qbayen. Alors attention, il ne faut pas toucher à la matrice, il faut l'éménager. La matrice, il faut l'aménager. Ah ouais, France a l'aimé là. Ah, France a risque de débarquer à l'Inada si on touche à la matrice. Heureusement que, là, il y a eu le complot contre l'Algérie, les incendies d'Al-Qbayen. Alors, ils les ont dénichés de Dioran,
كاع لي بتي فيلاج مهربين وجابوه. اي فو با اوبلي بلي il y a eu dans certaines villes une opposition تاع دي سيتويان pour que les services de sécurité ne puissent pas arrêter واحد لي فواي قتال. باش نقول لكم فهمتوا تعرفوا باش يعيطوا يعيطوا النار فو با توشي pouvoir assassin فهمتوا. مي جاو الرجال لي فري لارمي الجيريان بعد كل السيرفيس كي فو ils les ont dénichés sans armes sans rien sans armes bah tout le monde n'est ce qu'il faut parce que l'état algérien il a des moyens il a des moyens il a des moyens de lutter contre les ennemis d'Algérie mais reste à dire il y a la politique tout le reste tout le reste ils ont sait que les cette sécurité ont été à un certain moment les mains ligotées. Wakt al-Hiray. Mais tu fais où la grande poste. Ils se bouffent les généraux, ils se bouffent les tibourg, ils se bouffent les militaires. Mokhabarat Yahoudia. Les généraux à la poubelle. Ou quel tabou est bombé. Avec l'avocat Gana est bombé. Ils ont cru y arriver. Mas parle que le fruit est mûr. Il va bientôt tomber. Ce matin. Le fruit est mûr. Il va bientôt tomber. Aïe, Allah. Allah, il faut action. Attends le jour où il y a un homme. Des véritables l'élite à la police. L'élite. Le gosse. Tu rentres. Déjà, chef, oh. Il n'y a pas donné des armes, mais le gosse m'a dit la grande possession liquidée avec la haine. Maintenant, je ne vais pas se mettre. Il a dit Bentar, ils ont liquidé la haine. Goulam Boukaj dit Hal Koul Hal. Parce que c'est fini le jeu, classe. C'est fini. Mais la bouche, on a le bled qui m'a dit. Donc voilà. Voilà, le RCT, c'est pas parti, c'est un parti de gens qalil, famine, j'espère qu'ils vont changer de méthode ou être dans le combat démocratique. Et c'est à eux de gagner les espaces démocratiquement, blabal, sans insulter, sans invectiver. C'est tout ce que nous leur demandons. Allez, salam alaykoum.